Choisir un animal sauvage, oui? Le lion. Le lion? D'accord, le lion, marche. Le lion. Alors, on va décrire le lion. On va décrire un phosphore. Décrire le lion et le présenter. Et le présenter. On va commencer par le titre. Le lion. Oui, Aya. Le lion est un animal sauvage. Alors, le lion. Oui. Lion. Et c'est le verbe être, d'accord? Oui. Rester. Est un animal sauvage. Monsieur. Sauvage, Monsieur, oui. Crinière. Crinière sauvage. Quoi? Oui. Il vit dans la forêt. Il vit ou bien il habite. Il habite. Le verbe vivre, yarish. Habiter, yeskoun. Il vit ou bien il habite. D'accord? Il vit. Il, c'est le lion. I majuscule, il vit, IT, attention, T, d'accord? Il vit, oui, dans, c'est pas la forêt, c'est la savane. La savane ou le lieu où vit le lion. Yannine, c'est moi la savane. La savane. Très bien. Dans la savane. Dans la savane. Troisième phrase. Ah, il se nourrit de viande. Nourrir, ceci le verbe se nourrir, c'est-à-dire manger. On peut dire il mange, il se nourrit, ou bien il dévore. Le verbe dévorer. D'accord? Il se nourrit de viande. Le chibougourou, il se nourrit de viande, ou bien il est carnivore. Il est carnivore. Il se nourrit de viande. C'est le lion. Il est carnivore. Pourquoi? Mohamed, qu'est-ce que cela veut dire carnivore? Carnivore, c'est-à-dire, il se, en français, il se nourrit de viande, toujours de boulot. Vous pouvez dire, il se nourrit de viande. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons changé, maintenant. D'accord? Il est carnivore, c'est-à-dire, se nourrit de viande. Il est herbivore. Herbivore, il se nourrit d'herbe, comme la girafe. La girafe, la gazelle est un animal herbivore. La girafe est un animal herbivore. D'accord? La girafe se nourrit de feuilles et d'herbes. Herbivore. D'accord? On va parler de la famille du lion. Ah, il était le Asset Kingulu. La femelle s'appelle la lionne. On va écrire la femelle. La femelle. La femelle. C'est quoi la femelle? Le lion. D'accord. Le lion, c'est le mâle. La femelle, c'est la lionne. La lionne. S'appelle
Qu'est-ce qu'il s'appelle? Ce nom, Ismoïl. D'accord? La femelle, elle unfa. La femelle s'appelle la lionne. Lionne, point. Et le petit, son petit, on va dire son petit. C'est, oui, c'est le lionceau. Le lionceau, c'est le petit. Le lionceau. Nous avons dit que l'animal sauvage, nous avons donné l'habitat Winiscoon, nous avons dit s'il est carnivore, au lieu de dire il se nourrit de viande, maintenant, nous avons parlé de la famille, la femelle, la femelle, le petit, la femelle c'est la lionne, et le petit c'est le lionceau. Maintenant, vraiment, sur le lion, le verbe avoir. Quatre pattes. Une crinière. Une crinière. Comment est la crinière? On va employer l'adjectif épithète. On va dire une belle crinière. Crinière, c'est un nom. Oui. Et belle, c'est un adjectif qui précise le nom. Oui ou non? Oui. Au fin, belle, il est près du nom. D'accord. Hein? Belle est un adjectif. Une belle, c'est un adjectif. Et puis, tête. Hein? Une belle crinière. D'accord? Voilà. Nous avons employé, c'est maintenant, l'adjectif épithète. Ah. Belle est un mot qui précise le nom. Oui? Il est près du nom. D'accord? Il a une belle crinière. Oui? Et... une langue, hein? Que. Langue, que c'est féminin, hein? Langue, c'est un adjectif, et peut-être l'a attribué. Hey, que c'est le nom. Que c'est le nom. Langue, c'est un adjectif, et peut-être l'a attribué. Très bien. Et puis, peut-être. La cabelle langue, c'est un adjectif qui est près du nom. Arrive le nom, près du nom. Regardez bien. Langue, c'est un adjectif qui s'accorde au nom. Une queue féminin, on dit langue. Masculin, on dit lent. Hal masculin. On dit lent. D'accord? La girafe a un long cou. Cou, c'est masculin. Oui. On dit lent. Oui, long cou, d'accord? Que, longue, d'accord? Une longue queue. Alors, le lion a une belle crinière, une longue queue. Oui? Il a, le lion, il a aussi, كذلك, il a aussi, oui? Des dents, les dents tranchant. Catherine, tranchante, parce que tranchant c'est un adjectif. Et puis, comment sont les dents? Les dents sont tranchantes. Tranchant, c'est un adjectif qui précise les dents. Oui ou non? Donc, tranchant est un adjectif épithète. Alors, dents
C'est féminin, on dit une dent. Oui, on ajoute E. Pluriel S. L'adjectif s'accorde. L'adjectif s'accorde au. L'adjectif s'accorde au. Non. Au nom. L'adjectif s'accorde au. Non. En genre et en nom. En genre masculin, féminin, pluriel. Bien. En genre et en nombre. Il est dangereux. Très bien. Il est dangereux. Il est dangereux. Ou les criels. Criel mufteris. Il est dangereux. Ah, tu me dis dangereux, Mliha. Dangereux. Le lion. Le lion est un animal sauvage. Il vit dans la savane. Il est carnivore. La femelle s'appelle la lionne. Son petit, c'est le lionceau. Le lion a une belle crinière et une longue queue. Il a aussi des dents tranchantes. Il est dangereux. Combien de phrases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.